que les Nancéennes et les Nancéens ont choisi d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Ils l'ont fait avec conviction, même si je sais qu'un des premiers défis que j'aurai à relever avec toute l'équipe qui m'entoure sera de reconquérir ces abstentionnistes, même s'ils étaient moins nombreux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient lors du premier tour. Il y a aujourd'hui un défi, une urgence démocratique. Et le mandat que je veux conduire sera celui d'ailleurs de cet engagement de tous les instants, faire que les Nancéens ne soient pas que des électeurs une fois tous les 6 ans, mais bien des acteurs au quotidien de leur ville. Moi, l'objectif n'est pas de battre un tel ou un tel. J'ai choisi depuis de nombreuses années ma ville, mon département, mon territoire. J'ai choisi l'action locale pour agir, transformer, pour réparer, corriger les inégalités, pour porter un projet nouveau, une ambition nouvelle. C'est cela qui me guide. Et je crois que les Nancéennes et les Nancéens ont entendu cet engagement-là, ont vu un projet véritablement nouveau, avec une ambition forte pour la ville, ont eu envie aussi, après de nombreuses années sans alternance, puisqu'il n'y a pas eu d'alternance politique à Nancy depuis 1947, ont eu envie de donner aujourd'hui à la fois la chance et la responsabilité à une équipe nouvelle, composée de femmes et d'hommes issus de la société civile, de la gauche, de l'écologie, du centre, et bien de faire leurs preuves. Et c'est bien comme cela d'ailleurs que j'envisage ce nouveau mandat. Parce que je sais qu'il faudra que nous fassions nos preuves et qu'il n'y aura pas d'état de grâce, il n'y aura pas de délai pour pouvoir se mettre au travail. Dès demain matin, j'aurai avec Laurent Hénard un échange pour construire la transition entre nos deux équipes. Et dès la semaine prochaine, une fois passé le conseil municipal d'installation, c'est un été studieux qui attend toutes celles et tous ceux qui ont choisi de m'accompagner. Car nous allons devoir, sur le plan des commerces, sur le plan de l'attractivité, de la préparation de la rentrée, des déplacements du quotidien dès la rentrée prochaine, de la préparation des grands dossiers d'avenir, comme le dossier des transports et du tram, pour ne prendre que quelques exemples, nous mettre immédiatement au travail. Et je voudrais aussi dire que nous poursuivrons cet effort de la ville pour être présente aux côtés des habitants, prévenir et protéger la santé des habitantes et des habitants. Je sais que c'est une attente très forte et je sais que nous aurons à préparer demain une ville qui se montrera résistante aux crises, crise sanitaire comme celle que nous vivons, crise économique et sociale, grand choc que nous allons vivre à partir de la rentrée, d'où des mesures fortes pour le commerce qui seront prises rapidement et pour le pouvoir d'achat des habitants, ou crise écologique, d'où l'enjeu rapidement de préparer un plan de rénovation énergétique ambitieux, notamment des bâtiments qui protègent et abritent les plus faibles, les plus fragiles, les plus jeunes et les plus anciens. Et tous ces chantiers, aujourd'hui, ils devront être engagés sans tarder. Je suis prêt à le faire et l'équipe qui m'entoure aussi. C'est émouvant, je réalise toujours pas, c'est tellement fort. D'autant qu'avec Mathieu, c'est une grande histoire politique, puisque c'est lui qui m'a amené à m'engager en politique et tout ce chemin qu'on a fait ensemble, et notamment dans le cadre de l'engagement municipal. Ça fait 12 ans qu'on travaille, qu'on a construit pas à pas un engagement, des convictions, un projet. De se dire qu'aujourd'hui, les Nancéens et les Nancéennes ont accepté et ont choisi de tourner une page, mais tourner une page pour en écrire une nouvelle, c'est formidable. C'est formidable, surtout face aux défis qu'on a devant nous, la transition écologique, la solidarité, la démocratie. Parce que là, je crois que ce qui est vraiment important, c'est que les Nancéens et les Nancéennes reprennent en main les destinées de leur ville. Et on va être des passeurs, en fait. On est heureux, on a des convictions, on est engagé, on a construit un beau projet, mais depuis des mois, des années, avec les citoyens, avec un collectif. Et je crois qu'on a la possibilité aujourd'hui de le mettre en œuvre, d'agir. Et c'est aujourd'hui que tout commence, en fait, puisque là, on a une grande responsabilité. On nous a fait confiance, maintenant, à nous d'être à la hauteur de cette confiance. C'est bien évidemment une joie intense et une responsabilité énorme
que les Nancéens nous confient ce soir. C'est le fruit de plusieurs années de travail, mais c'est aussi le fruit d'un travail de contact avec les Nancéens qui a été très profond depuis des mois. Et on avait ressenti chez eux cette envie de changement parce qu'ils ont mesuré comme nous le retard pris en matière de transport, de transition écologique, d'attractivité économique. Il fallait tourner une page. Ce soir, ils la tournent sans appel avec un score tout à fait net et une belle victoire autour de Mathieu Klein. Alors moi, je suis nancéenne. Je suis née à Nancy il y a 47 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est la première fois que cette victoire arrive de cette manière-là. Alors c'est pas qu'une victoire de la gauche, hein, puisque c'est une liste qui est une liste de gauche, une liste écologiste, et une liste aussi qui rassemble des gens du centre. Donc c'est une liste aussi de société civile, de partis politiques, c'est une liste diversifiée. Et en fait, elle est à l'image de Nancy, une ville qui est diversifiée, qui a envie d'un projet, qui a envie que ça change, qui a envie que ça évolue, qui a d'autres ambitions. Et pour moi, c'est un vrai plaisir de, pour une fois, d'être en phase avec ma ville que j'aime tant et que je voyais un peu dépérir ces dernières années et pour laquelle j'étais un petit peu triste. Donc vraiment, je suis très fière aujourd'hui de notre victoire. C'était une victoire qu'on sentait sur le terrain. Les gens étaient très, très volontaires, avaient vraiment envie que ça change. On l'a senti monter pendant 10 mois, parce que ça fait presque 10 mois qu'on est sur le terrain maintenant. Et ça ne s'est pas démenti. Ils ont confirmé leur choix pour le deuxième tour. C'était un vrai deuxième tour. Et vraiment, on est ravis, on est heureux. Pour Nancy, c'est vraiment un moment historique, c'est une belle victoire pour la ville, pour les habitants. C'est vrai que pour presque toutes les générations de Nancéennes et Nancéens, personne n'avait connu ça. Et puis, de manière un peu plus générale, je crois que c'est un bel enseignement politique parce que c'est la victoire d'un rassemblement très très large qui est parti d'une construction citoyenne autour d'un projet pour la ville. Et c'est ce projet-là qui a été le ferment du rassemblement. Ensuite, des forces politiques de gauche, écologistes, de candidats venus de tous les horizons politiques. Et voilà, c'est un bel enseignement pour la suite et une très très belle victoire pour Nancy. C'est une grande joie, bien sûr, d'avoir ce résultat ce soir. Je ne vais pas dire le contraire, mais c'est aussi une obligation pour nous et un grand devoir et un sentiment d'humilité. D'abord parce qu'il y a encore cette abstention qui est très forte et Mathieu Klein l'a dit également à la tribune ce soir, ce qui nous oblige aujourd'hui c'est de revoir non seulement un projet de ville, un urbanisme écologique, mais aussi et surtout faire en sorte que les Nancéiennes et les Nancéiens et les grands Nancéiens, la ville et la métropole, les habitantes et les habitants soient vraiment associés à ce projet et donc nous mettrons au cœur de nos propositions, de notre projet, la démocratie participative et la démocratie coopérative qui sont des formes nouvelles d'association des citoyens. Il faut absolument renouer le lien entre les habitants et les élus et surtout les nouveaux élus sont là, Mathieu Klein l'a dit aussi, les nouveaux élus et ceux que nous avons emmenés sur notre liste avec Nancy Écologie Citoyenne sont là aussi pour donner ce message. Il y a un regard neuf sur la politique à Nancy. Ça peut être un laboratoire. Nancy peut être un nouveau laboratoire de la démocratie coopérative pour mener à bien la transition écologique. Moi, je ne parle plus de transition écologique, d'ailleurs. J'aime plus ce mot. Il faut parler de transmission écologique. Il faut transmettre maintenant. Comme on transmet un message, comme on transmet la joie d'une victoire ce soir aux gens qu'on aime et aussi à ceux qui n'ont pas voté pour nous. Voilà, c'est ça qui est très important. Il faut le dire aujourd'hui. Et saluer aussi ceux qui nous ont précédés, André Rossino et Laurent Hénard. Nous n'avions pas le même projet, nous n'avons pas les mêmes positionnements politiques, mais il y a un héritage que nous devons assumer. On ne fait pas table rase, on corrige peut-être des choses et on a un nouveau projet et on associe le plus grand nombre rassemblé. C'est ça qui doit nous occuper pendant 6 ans maintenant. Ce mandat, il est ouvert sur le rassemblement.